What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'aspect sur le Alien Isolation avec voilà notre petit transit qui nous attendait. Donc en avant pour la tour Simed et j'ai gagné un trophée, ça veut dire que bah, je me suis pas planté cette fois-ci. Ah non, c'est de l'objectif qui a été mis à jour pour me diriger vers la tour Simed, ça veut dire qu'on va pas y arriver encore. J'espère franchement qu'on s'est pas planté. Normalement, s'il y a eu un trophée, c'est qu'on avance bien dans l'histoire. On va voir ce que ça donne. Ça fait un petit moment qu'il n'y a plus eu d'épisode Alien Isolation, mais je suis vraiment pris entre plein de let's play différents. J'ai eu un bordel avec Lord of the Fallen. Ça a pris un temps fou pour faire seulement un épisode, je vous dis pas. C'est le genre de jeu à Dark Souls où tu galères sur un simple boss. J'en pouvais plus, j'avais envie de mourir. C'est vraiment pas le genre de jeu qui me satisfait, ça. Enfin, qui me plaît, quoi. Mais bon, je l'ai commencé, je le finis. Alors, vous avez aussi remarqué qu'il n'y avait pas d'intro, pas besoin de le faire remarquer justement, car tout simplement, ça permet de ne pas perdre de qualité sur les gameplays PS4, et aussi de me faire gagner 3-4 heures de rendu Vegas, tout simplement, pour ajouter une intro quoi, c'est ridicule. Donc bah voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant et que suivaient simplement Alien Isolation, maintenant vous savez, on va aller sauvegarder. Ça commence déjà? Je crois qu'il y a déjà un alien. On l'a entendu se ramener... Attendez. Il n'y a pas écrit ennemi proche en tout cas. Mais on a entendu quelque chose descendre d'une bouche d'aération. Alors, il y en a pas mal. Hein. Vous avez vu qui ont survécu 4-5 à peu près. Et ça va être intenable je pense. Alors, il faut encore prendre un transit. Attendez. Effectivement, je crois que je me suis trompé en fait. Je crois que je me suis trompé de transit. Ou alors c'est qu'il fallait vraiment en prendre deux, ça me paraît bizarre mais on va voir ça. En tout cas j'espère arriver assez vite parce que là, c'est qu'il y a quand même un alien qui a très envie de me faire du mal je crois. Il va arriver là, il va arriver, ça pue la merde. Attendez, mes armes, le fusil à pompe ça sert à rien. Comment je fais pour changer d'armes sur ce jeu déjà? Merde. Oh ça change dans... Tous les jeux ça change, ça m'énerve. Bah il arrive là. Il est là. Hein. Il est là. Putain, je sais pas comment changer d'arme, j'ai oublié. C'est pas ça. J'arrive pas à changer d'arme. Ça me dégoûte. Vite, mec. Ah, mais ouvrez-moi, j'ai pas le temps de vos conneries, là. Allez. Go. Tour Simed, c'est parti. Allez. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait un aller-retour? J'espère franchement pas. Parce que du coup, c'est que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, quoi. Hein, on va se retaper encore 3 putains de transit. Ça va pas le faire, ça, dès le début. Putain, par contre, je trouve plus la touche pour changer d'arme. C'est un truc de malade, ça. C'était quoi? C'était quoi la touche pour changer d'arme sur ce jeu? Attendez, on va essayer, là. Petite sauvegarde automatique. Ça fait plaisir. Alors... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, alors attendez. Carré, c'est pour changer forcément triangle. C'est pour changer d'arme une fois. Croix, rond. Ah voilà, c'est rond et il faut rester appuyé. Putain, ça change vraiment sur tous les jeux. Mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, RIP. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est l'année Sidora. Marlow a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. Ok. Donc, trouver une ambulance de courte portée. Oh là là. Oh putain, vous avez entendu ce bruit? Oh, il me demande trop, il m'en demande beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Oh, c'est interminable. C'est réellement interminable. Alors, est-ce qu'on peut passer? Oh ouais, c'est bon, notre soudeur ionique à level. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Oh là 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 là. N'importe quoi pour attirer les aliens, toi, Ripley. Hein. Ah, et en plus... Ah non, je pensais qu'on allait utiliser
La clé là, qui fait bien du bruit. Oh là là. Putain, ça me manque tellement le moment où on pouvait courir comme on le souhaitait. On était libre. Libre comme l'air. Et maintenant, non, pas du tout, mec. Tu sais qu'il y a 5 aliens qui peuvent t'attaquer en même temps. 5 putains d'aliens. Bon, au moins, on a passé le passage avec tous les œufs là. Oh, c'était horrible. Putain, je veux même pas m'en souvenir. Ah, c'est un truc de dingue. Ils ont pas déconné. En ce moment, sur les quelques jeux que je touche, hein, donc les dernières sorties, j'ai l'impression qu'ils me veulent tous du mal. Hein. C'est que des passages de dingue. Dans The Evil Within, c'est un passage de dingue. Là, sur Alienation, c'est un passage de dingue. Far Cry 4, je galère encore. Et Unity, bon, j'ai réussi. Je l'ai fini d'ailleurs le jeu. Les derniers épisodes tarderont pas à arriver. En fait, c'est vraiment Unity sur lequel je galère le moins, quasi. Hein. Bon, après, il y a Far Cry 4 derrière. Donc, on est de retour ici. Marlowe a pris une des navettes. Wade, ça a vraiment foutu le bordel ici. Oh, oh non. Oh là 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 là. Il va y avoir 3 milliards d'aliens dans les couloirs là. Putain, je suis traumatisé des couloirs moi. Tu sais quoi, tant qu'on compte pas d'aliens, on va faire comme si on n'avait pas. On va quand même pas courir. Hein. Ça serait vraiment faire le fou pour rien. Donc on va s'y prendre comme ça, on va à une allure moyenne. Je vais vous être... Oh non, mec. Fils de chien. En plus, il a une... Oh, il va me one-shot. Ça va te faire foutre avec tes signes d'hystérie, toi. Ça pique auto, il a dit. Il est fou. Il y a la ligne qui va arriver, là. Voilà, il est où? Putain, il est trop rapide. Oh là là là. Bon bah maintenant on sait qu'il y a l'alien quoi. On le savait depuis le début, mais merde. Putain, j'ai à peine, je me suis mis à peine à courir pour esquiver le robot, ça y est quoi. Putain, et comment je suis censé esquiver ce robot alors? Pas y avoir d'autres solutions hein. Putain, ils font vraiment les bâtards. Oh là là, mais des bâtards. Pire que ça, je sais pas si ça existe. Hein. Et j'ai même plus de. J'ai même pas de mun de pistolet à clous, les gars. Oh non, mais. C'est de la triche, merde. Oh, ça se fait vraiment pas. Ça se fait vraiment pas, là. Putain. Oh là 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 là. Je souffre, hein, je vous le dis, à chaque fois que je tourne un épisode, que ce soit n'importe quoi, je souffre. Ils veulent pas me laisser tranquille, c'est n'importe quoi. Bon déjà c'est un cul-de-sac ici. Fort que je l'esquive en marchant, vous comprenez ça? Attendez, déjà il y a un alien qui est pas loin. Mec, je t'esquive comment là? Je sais comment je t'esquiver, viens ici. Attends, regardez ce qu'il m'oblige à faire le mec. Voilà. Et je cours pas. Parce que je sais que courir peut provoquer des accidents. C'est pour ça que je vais certainement pas courir, monsieur le robot. Ah mais alors certainement pas. Bon, là normalement je suis pas suffisamment de bruit pour que l'alien ait très envie de se ramener. Même le robot il m'a pas chopé. Attends, je dois faire des stratégies, écoute. C'est bon quoi. Je veux juste que ce jeu se finisse parce qu'il est super long en plus. Le pire c'est que le jeu il est super long quoi. Oh là là, ils ont voulu nous offrir le plus de souffrance possible. Ils ont pas voulu s'arrêter les mecs. Là je fais quoi là? Alors, trouver une ambulance à Saint-Cristobal, B des ambulances. Ambulance, ambulance, ambulance. J'espère que le robot ne me suit plus. Je pense qu'il m'a abandonné, hein. Ça serait cool ça. Il a l'air de m'avoir abandonné le robot. Super. Oh non. Faut que je retrouve... Attendez. Oh merde. C'est quoi maintenant? Il faut que j'améliore mon stoniseur, c'est ça? Mettre à jour le stoniseur d'accès au niveau 3. Putain. Merde. Ah, c'est dans la zone. On peut le mettre à jour dans la zone, super. Putain, j'ai cru qu'on allait encore faire des allers-retours. C'est où?
fait quoi? On teste comme ça là? Ah non, de toute façon le niveau de sécurité est trop élevé. Et je sais pas où je vais trouver... Attendez, vous êtes sérieux là? C'est bien là? Ouais, c'est là, ils disent. Hein. Ils disent que c'est dans cette pièce là qu'il y a une mise à jour au niveau 3. Il y avait des grenades aveuglantes V3 ici. C'est pas ça. Ah ah ah! Je crois que c'est ça, non? C'est toujours dans ces petites boîtes là. Voilà, on a stressé pour rien. C'est vraiment un petit passage inutile là par contre, hein, de nous faire trouver cette boîte, elle était à côté. Attends, mieux, je préfère ça. Oh putain de merde. Oh nom de Dieu. C'est quoi ça? Pourquoi il est là, l'alien là? J'ai pas fait de bruit. C'est bon, il va commencer à... partir. On va attendre pour de bon, hein. Bon, enfin bref, allez. C'est chaud. Ah, on peut s'échapper comme ça. Oh, parfait. Bon, ça va pas arriver, ça me paraît un peu trop simple. Ça paraît beaucoup trop simple pour une fin de jeu. Normalement, il faut que tout pète d'abord. On a fini là, non, c'est impossible. C'est impossible que le jeu se finisse comme ça. C'est trop facile. Trop facile là. Putain non, s'il vous plaît, faites que ça soit fini. C'est fini. Faites-le. Oh, oh my god. Non, je pense pas. C'est trop sans rien. On s'est cassé le cul pendant je sais pas combien d'heures. Et oh, bah en fait, je me barre en ambulance, y a rien qui a explosé, y a pas eu beaucoup de trucs, bah y a eu un petit peu de coin cramé, voilà, de temps en temps, mais non, non, moi, je sais pas, je voyais un truc tout pète, et des trucs de dingue. Et là, on s'en va avec une petite ambulance. Peut-être, hein, après tout. Attends. On n'a pas démarré là? C'est quoi ce bordel? On est toujours relié à... À peine. Rip, tu te déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la colonie. Ah, on s'est juste déplacé avec la navette. Pour aller dans un autre endroit, on s'est pas enfui. Trois petits points. Pourquoi il y a écrit trois petits points là? On est allé dans l'année Sidola, mais je comprends plus rien. Je comprends vraiment plus rien. Moi, je voulais m'échapper là. On a emprunté une petite ambulance là, comme ça, une navette, non? Mais on rentre à la maison maintenant. On s'en fout de Ricardo. Mais je m'en bats les couilles de ce mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à des aliens, quoi. Même les machines, elles ressemblent à des aliens, bordel. Regardez, ils ont fait exprès ces connards là. Ah, ils ont vraiment fait exprès. Quelle bande de fils de chiens. Allez, c'est par là. Bon, pour l'instant, c'est plutôt facile. Et on avance. Explore cette année Sidola. On va récupérer ce message. Ces deux dernières années, on a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts. Et l'année Sidora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que l'équipage ait fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo. Propriété de Weyland Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a eu une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Mais si on est dans la Nice Dora, il devrait pas y avoir d'aliens dedans. Logiquement. J'espère. Je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non? C'est le vaisseau de Marlowe.
c'est la femme de Marlowe. J'espère qu'elle a donné le mot de passe dans ce message. Donc, je sais pas, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si je doute d'un truc pas clair... Bon, je l'ai trouvé. D'abord, je vais rien avoir à faire là-dedans. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. Oh, espérons vraiment qu'il n'y ait pas de danger. Hein. Ça serait n'importe quoi, mais j'espère vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh bordel! Je dois faire quoi là? Je comprends pas, je reste dans cette salle et il va y avoir... Ah! Faut aller par là? Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de l'Anisidora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Oh, je comprends pas. Ça m'énerve. Oh non! Marlowe? T'es où Marlowe? Marlowe? Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Pourquoi t'as une voix de méchant comme ça? La dernière fois, tu m'avais sacrifié pour me sacrifier. Tu voulais pas vraiment me tuer. Il me parle comme s'il veut ma peau, là. Vous avez vu? Je suis le méchant. Je vais te tuer dans tous les cas. Mais mec, c'est bon. T'as plus aucun intérêt à me tuer, en fait. C'est ça que... Que je cherche à te faire comprendre. À la limite, peut-être qu'on te veut du mal pour se venger, mais. Enfin, moi, je suis prêt à. Je suis vraiment prêt à t'excuser, hein. Il reste encore pas mal de places de dispo. Réglé ! Marlowe m'a appelé. Il avait promis de donner toutes les infos qu'il avait sur la créature pour que je les rapporte à la compagnie, mais. Taylor ? Ah, bah oui, d'accord. D'accord. Alors, c'est ridicule quand on se fait tuer par ces trucs. Mais vraiment, mais quand je vous dis c'est ridicule, t'as le truc devant l'écran. Oh bah t'es mort, d'accord, c'est super. Super, j'étais captivé parce que l'autre elle était en train de me dire, je fais putain, qu'est-ce qu'il a de méchant Marlowe, qu'est-ce qu'il a, elle est en train de me le dire. Et du coup, hey, allez, bien sûr, j'avais que ça à faire de penser à tuer cette merde là. Putain, non, vous êtes sérieux, du coup on va se retaper tout de la cinématique. Enfin pas de la cinématique, mais tout le truc là, vous avez vu où il faut débrancher, machin, gna gna gna. Putain. Bon, du coup, on sait qu'il y a des aliens vu qu'il y a des facehuggers. D'ailleurs, j'aurais pas fait qu'il y ait pas de facehuggers du tout, mais... Oh là là, des facehuggers, quoi, bordel de merde. Le pire, c'est que je me suis retrouvé avec un fusil à pompe au lieu du lance-flamme, quoi. Au moment où j'ai sorti, je me suis dit, ok, pourquoi on a un fusil à pompe? Le temps de penser ça, je suis mort, quoi. C'est génial. Ah, d'accord. Je peux pas taper le mot de passe si je l'ai pas vu. Allez... Voilà, il était là, hop, super, c'est génial, allez, hop. Oh, c'est vraiment pouille, hein, les jeux avec des sauvegardes comme ça. Je remarque que ces derniers temps, il y a vraiment pas mal de jeux avec des problèmes de sauvegarde. Toujours, on doit recommencer. Oh putain, j'ai l'impression, je suis bloqué dans les méandres du temps, quoi. C'est un truc de malade. Allez, on redémarre ce machin. Et hop là. Et ouais. À
Allez, c'est parti. Il va falloir attendre que ce truc sorte, parce qu'il met une demi-heure à sortir. Une putain de demi-heure. La 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 la. Allez, monsieur. Allez. Hop, hop. Oh là là, ce beau gosse qui a envie que ce jeu se finisse vite. Allez, c'est parti, par ici maintenant. Ouvrez-moi la porte. Je demande. Je réitère ma demande. Ouvrez-moi cette porte. Ceci est trop long. Quand vous faites une mise en scène aussi longue, putain. Mais t'as un checkpoint au moins derrière. Le système d'énergie de base de la Nécédora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Ah, d'accord. D'accord, alors là je viens de faire un truc génial. Attendez. Je fais un tour complet. Faut que j'aille où là? Marlowe? T'es où Marlowe? Putain, comment elle dit Marlowe? Marlowe! Tu m'as évité d'avoir à l'époque. Moussaillon, où t'es? J'avais juste besoin d'être en ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Cool, de ton côté. Je suis content de ton côté, c'est bien. J'en ai marre de ces voix de merde là. Bon, alors, déjà, on sait qu'il y a une petite merde. Ah, c'est pas là, alors attendez. Elle est où, la petite merde? Hein? Où qu'elle est? Il reste encore pas mal de place de dispo. Réglé! Marlowe m'a appelé. Il avait promis de me donner tous les infos qu'il avait sur la créature pour que je les rapporte à la compagnie, mais... Taylor? Taylor! Marlowe, qu'est-ce que tu fous? Ce que personne n'a les couilles de faire. T'as qu'à venir me chercher, Ripley. J'ai quelque chose pour toi. Bon, super. Déjà, ça, c'est mort. Faut que je trouve un endroit pour sauvegarder. Putain, ils vont pas s'arrêter sur un seul facehugger. Hein. Ils vont en balancer putain de plein. Tous les coups, il doit y en avoir un deuxième dans cette pièce. Non. Ça paraît trop simple. Putain, il faut vraiment qu'il y ait un truc de sauvegarde, là. Alors... Tac, tac, tac. Ah, c'est affreux. Oh là 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 là. Mais pourquoi ils ont laissé rentrer des aliens ici aussi, bordel? Le mec il est venu ici, genre c'est safe. Putain, tu commences, il y a un facehugger. J'ai pris un tas de rêves en l'absent monté à bord. C'était pas très intelligent de ma part. Quel con, on peut pas vaincre cette chose, Ripley. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation de l'infection, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais. Parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne le saura. Je le permettrai pas. Ça y est, il commence à faire genre sauveur de l'humanité, méchant sauveur d'humanité, quoi. Non, Marlowe, ce n'est pas la solution. Il faut qu'on l'affronte, cette bestiole. Je ne vois pas les choses comme toi. Bon. Oh là là, la sauvegarde, la sauvegarde, la sauvegarde, c'est la sauvegarde, c'est la sauvegarde. Eh eh, yeah, allez. Allez, allez. Non! Mais, fils de chien, vite! Regardez le bras chétif qu'on a là. Putain, c'est du digne d'un jeu indé tellement il est moche le bras de Ripley, quoi, il est ultra mal fait. On est où là? Je peux pas activer ce truc. Pas de courant. Pirater le terminal de maintenance. Alors, consultez la boîte noire.
Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... on a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. D'armes nucléaires. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Ça effacera pour de bon toute trace de la créature. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je peux pas la laisser survivre. Et je laisserai pas la compagnie mettre la main dessus ou ils recommenceront encore la même histoire. Et je fais quoi, moi? Je le regarde. Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait? Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature? Personne ne doit savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station. Marlo! Mais il n'y a pas Foster. C'était ma femme. Je l'aimais. Et je l'ai tuée. Putain, je savais qu'elle allait faire un truc dans le genre. Je crois qu'il est trop tard. Il a enclenché. Il a enclenché! Taylor, je vais arrêter la surcharge! Faut que tu m'aides! Va à cette console! Putain, mais Marlo, c'est le gentil dans cette histoire, les mecs! Ouvre les systèmes de fusion! J'aurais fait comme eux, je me serais pas sacrifié parce que j'ai pas envie de mourir! L'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X! Je l'ai trouvé! Oh le bordel! Y'a des aliens ici, je sais pas si c'est une bonne idée de courir. Merde, c'est dans cette pièce là qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vas-y. Ah, ma touche croix ne va plus marcher. Ensuite. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, tu passes le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois? Je ne tombe pas. Il y est. Fais-moi confiance. Elle se fait bombarder de je sais pas quoi. Elle va mourir, elle, dans tous les cas. Bon. Grand chose à faire, moi. Ah si. Oh non, j'avais pas vu. Non. Et ben voilà, c'est la fin d'Alien Isolation. C'est genre. Bon, bah ça peut être une fin. Je suis désolé, moi j'aime bien cette fin là. Toupette et le mec Marlo a sauvé l'humanité et défendu de la corruption de la compagnie. Mais non, ça ne finira pas comme ça parce qu'on est égoïste et on veut pas mourir. C'est comme ça. Allez. Pêchons. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois? Je ne tombe pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça.
Quoi? Non, je me suis pas trompé là. Ou alors c'est que j'ai perdu la vue. Putain, c'est lequel celui-là? C'était chaud, hein? Vite! Pas le temps! Allez! J'ai réussi, les mecs! Ça n'explosera pas! Surcharge du réacteur à fusion, contrôle. Limiteur de sécurité d'étape. Oh putain! T'as réussi! Attends! Parce que quelque chose. Je comprends pas! Chute des systèmes primaires! Échec total de la cascade du système! Oh putain! Marlo a lancé une surcharge! Le vaisseau va tomber en morceaux! Attention! Attention. Et on fait quoi là? Regarde notre mort arriver. Tout ça pour ça. Wow. Oh, bien fait pour ta sale gueule. Échappez-vous. Je cours, hein. Il y a un point d'exclamation, hein. Donc, allez. S'il y a un alien qui vient me faire chier dans un moment comme ça. Ah, c'est que vraiment il a rien compris à la vie, l'alien. Hein. C'est que vraiment il sait pas qu'il est dans la merde. Et le pire, c'est que ces choses, elles survivent dans l'espace, hein, donc elle tend, elle s'en bat les couilles, hein. Elle veut me bouffer envers et contre tout. Bon, imaginez donc pas de scénario très très apeurant. Déjà qu'on est dans la merde. C'est là-bas où tu voulais aller, pourquoi tu te retiens? Ok, par là. Ils ont laissé le cadavre du truc. Oh non, il y a eu un bruit de méchant. Oh, il y a un alien derrière moi. Oh putain, je le savais. Go. Putain, vraiment, je suis électrocuté 20 millions de fois. Je suis brûlé au centième degré. Ouh. Et bah dis donc. Ah ouais, il déconne pas vraiment avec nous, hein. Oh là 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 là, je m'étire. Toujours, il faut, hein. Il faut. Entre les... entre tout ça, faut reposer son corps, se préparer psychologiquement, etc. Parce que putain, c'est chaud. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance où tu t'es amarré est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortie. Trouver un moyen de contacter le Torrens. Putain, vous croyez que le Torrens il est resté là depuis? Elle est bien au chaud dans son vaisseau là, pendant que nous on a galéré. On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. Ok, donc elle est là avec son torrent. Ça s'ouvre pas, c'est bon. Prochaine borne de sauvegarde, je vous préviens, on arrêtera l'épisode là. Allez, c'est parti. Bienvenue chez Sixon Communication. Bienvenue. J'ai que ça à foutre de t'entendre parler, mec. Non. Avec des armes et furax, j'ai dû bloquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi ce délire? Ils ont entendu la diffusion et ils veulent le contacter. Je crois qu'ils veulent le prendre de force. Ils pourront le prendre de force? Non, les communications sont toujours HS. Ne t'approche pas d'eux. Ils sont dangereux. Ils ont plus rien à perdre. Oh! T'as fuc! Oh! Mec! Mais.
T'es sérieux? Essayez de vous prévenir. Oh, j'ai plus de balles. Bon, forcément, au bout d'un moment, je crève, quoi. Hein. C'est un petit peu obligé. Mais le mec, je sais pas d'où il est sorti. J'ai plus de munitions de rien. Je sais pas comment je vais les tuer. Hein. Oh là là, en plus, il m'a fait peur. Et je me disais, mais attendez, mais je survis à combien de balles de revolver? Je voulais compter, en fait. Bon, je pense qu'on va quand même se laisser là parce qu'il y a eu une sauvegarde automatique. Donc ouais, c'est là qu'on va se quitter pour cet épisode Alien Isolation, les amis. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss! Et à la prochaine!